Camille, attends-moi, s'il te plaît. Attends-moi, où es-tu? Méchante fille. Toujours à la traîne, mon petit Paul. Approcher du géant, ça se mérite. Allons, dépêche-toi, petite boule. Aide-moi, mon genou saigne. Aide-moi, Camille. Camille! Camille! Camille, c'est Paul! Cessez de cogner, fripouille! Qu'on me laisse en paix! On m'a déjà tout pris! N'obtenant aucune réponse, il frappe plus fort. Camille se réveille. Elle se dirige vers la porte armée d'un balai clouté. Qu'est-ce que vous me voulez? Ouvre! Ouvre-moi, Camille! Si vous êtes une canaille de la bande à Rodin, je vous conseille de filer! Au nom du chef Camille, ouvre, c'est Paul! Camille entr'ouvre la porte, Paul entre, il l'embrasse. C'est ainsi que tu m'accueilles, sauvage, un balai à la main au lieu de me tendre les bras. Oh, c'est toi? Ma parole! Tu es tombé du lit. Nous avons à parler. Ne t'avais-je pas prévenu que je viendrais à 11h? Oui, tu avais dû me le dire. Quelle heure est-il donc? Il est 11h. Passé de 4 minutes. Une précision de coucou suisse. Tu veux dire de fonctionnaire. Voilà le terme lâché, ce que tu penses. Fonctionnaire. Puisque, comme Cyrano, tu te le sers, je n'ai rien à ajouter. Pas de commentaire, monsieur Claudel. Que fais-tu en chemise, pétrifié bleu de froid? Couvre donc ce corset impudique. Tu as dormi demi-nu alors que tu tousses. Tu cherches la mort. Décidément, Camille, tu es extravagante. Tes coups à ma porte m'ont tiré d'un mauvais rêve. Comment peut-on rêver dans cette ambiance de banquise? Tu n'as plus de bois? Laisse-moi pénétrer le pâle soleil de décembre. On y va goutte dans ton atelier. Il va ouvrir les volets. On refermera tout à l'heure. Lorsque tu as frappé, je faisais un rêve étrange, mon petit Paul. Nous étions à Villeneuve. Toi et moi, dans le chemin de sable perdu entre les roches, te rappelles-tu les monstres blancs et gris? La vieille captive de la pierre, ta voix arrivait jusqu'à moi, étirée par le vent, Camille, Camille. Et puis tout d'un coup, un coq s'est mis à chanter, et par je ne sais quel maléfice, tout a basculé, et ce fut l'aube. À cette seconde incertaine qui précède le jour, un fiacre noir s'est arrêté, ici, sur le quai. Les hommes ont emporté la statue de Clotho. Elle ne s'est pas laissée faire, je te jure qu'elle s'est défendue. Je l'ai bien vue dans le reflet du miroir, la face ricanante de la vieille décrépite, c'était moi, Paul. Après, j'ai tout fait dans une chambre scellée, enclose, dans des cris de femmes menaçantes, les bras sont serrés dans une camisole. Personne pour me sortir du septième cercle de l'enfer où l'on m'avait jeté. Ni toi, ni Louise, ni maman, ni papa, qui, je crois, était mort. Encore moins l'autre, qui riait de me voir impuissante, emmurée. Mais calme-toi, Camille. Tu as brodé sur l'histoire, celle que la bonne victoire comptait l'espoir devant. Ce vent venu du nord, hop et coupant qui bramait dans les solives. Le dur vent de chez nous, une lame pénétrante comme un tourment de l'âme. Elle nous disait la légende de la hôtée du diable. Ton rêve l'aura déformé. Te souviens-tu? Camille met tous les personnages de cette voix arthritique, le sieur de Bruyère et le diable et le maçon. Elle singeait Satan.
les yeux rougis par l'éclat de la flambée mourant dans l'arbre. Elle était Satan. J'avais envie de fuir de toute la vitesse de mes si courtes jambes. Je m'en souviens comme si cela datait d'hier. Essaie de te tourmenter, Camille. C'est de victoire dont tu as rêvé. La voix de tombeau qu'elle prenait lorsqu'elle révélait le contrat signé pour le transport des pierres. Si tu consens à me donner ton âme, avait dit le diable au maçon, je peux construire pour toi le monastère en une nuit. Demain tout sera fini, tu seras riche. Un marché conclu, je te vends mon âme, avait répondu le mécréant. Et le démon réjoui s'était mis aussitôt à l'ouvrage. Allons, le contrat était en passe d'être rempli. Le maçon déjà comptait ses deniers, mais... Mais... Il y a toujours un mais, tu le sais bien. Mais un coq se mit à chanter, et Satan dut s'enfuir. Dans sa course affolée, la hôtesse répandit toutes les pierres, toutes, sans en accepter aucune, se sont éboulées en un formidable chaos. Dans la roche se creusa une grotte de sorcières. Ah, te rappelles-tu comment se blottissait l'un contre l'autre dans l'humidité de l'endroit? Louise s'époumona à nous chercher, ne nous trouvait pas. C'est de ce flux enseveli que me vient l'inspiration, Camille. Cette grotte diabolique, par la magie du verbe, deviendra l'antre d'une réprouvée affectée dans sa chair, une lépreuse. La lèpre qui ronge n'est-elle pas le symbole de l'égarement des sens? L'idée du décor déjà me pousse en tête. La lépreuse, parmi ces monstres farouches du géant qui ont épouvanté notre enfance. J'oserais une chose inouïe, un miracle prendre à corps, là, devant les spectateurs. Tu ne m'écoutes pas, Paul. Que m'importe ta lépreuse, tes décors de théâtre, tes miracles, ta bouffissure de dramaturge d'ambassade. Tu recommences à me faire du mal, et que t'ai-je fait pour m'éteindre tel mépris? Je croyais nos cœurs apaisés. Pourquoi m'humilier, Camille? Parce que tu n'entends pas ce que je veux te dire. L'endroit où j'étais enfermée m'était inconnu. Une grande bâtisse, un hôpital, un asile, une prison, un de ces lieux de torture du corps et de l'esprit. Et j'étais là, implorante, mais cet endroit n'avait rien à voir avec Villeneuve. J'ai froid. Habille-toi. En effet, on gèle ici. Ne peut-on faire du feu? Où sont rangées les bûches? Paul, crois-tu aux rêves prémonitoires? Seul Dieu dispose du pouvoir de nous instruire de l'avenir. Si cela entre dans ses plans, Jeanne, la sainte et Jésus lui-même eurent des visions. Fiche-moi la paix avec Dieu et ses saints. J'ai peur, Paul. On me veut du mal. Tes lubies te poussaient à l'ornière. Tu te laisses emporter par de curieuses idées. Si seulement tu consentais à prier, Dieu aide les malheureux qui croient en lui. Je n'ai rien à faire avec Dieu, ni avec le ciel. Je suis un purgatoire à moi toute seule, ce que je proclamais au temps de mes amours contrariés. Crois-moi, Paul, on m'épie. Ça se passe ici et maintenant. Crois-tu que je sois folle? Hein? Tu ne les as pas vus hier soir après moi, ces sinistres hyènes, ces injustes, ces envieux, des incapables, insensibles à la beauté que j'extirpe de la pierre. Tu te fais des idées. Passe à Sarou, tu es glacée. Fais-moi le plaisir de te couvrir. Alors, tu ne me crois pas. Tu soutiens mes ennemis, tu me renies. Oh, tu es sans cœur. Ne hurle pas. Ne fais pas la méchante, ne t'ai-je pas toujours soutenu? Nous sommes liés, toi et moi, deux rustres, unis comme deux brassées de foin.
Rustre, oui, c'est ainsi qu'on nous juge. Je n'oublierai jamais l'ancien de Dindon confit dans le salon de Mallarmé. Tous ces beaux esprits nous l'aurions du coin de l'œil, attendant un faux pas, une gourde, pour en faire leur chou gras, s'engosser toute une semaine. J'exècre Paris, depuis que papa nous y a laissés. Cette ville a chargé ma jeunesse d'un poids accablant, n'en déplaise à notre père. J'ai détesté mes professeurs, des ignorants, asservis aux vieilles lois de la prosodie. Et Paris est une ville de débauche, Camille. Elle nous a déracinés de notre terre maternelle. Elle t'a arraché à moi, te poussant dans les raies d'un satyre. Toi, ma sœur, ma puant, pour lui, tu as posé nu. Tu n'imagines pas à quel point je fus meurtri le jour où je devinais tes formes dans le marbre. J'ai cru en mourir de chagrin et de honte. Mais Paris n'est que saleté. Paris ne vaut rien. Hier soir, Camille, tu ne tenais pas sur tes jambes. Tu délirais. Délire folie des mots épouvantables. Et la ville ne nous vaut rien, ma sœur. Nous sommes des paysans, produits de la terre grasse. À Villeneuve, dans l'océan céréal, je suis un paysan. Conçu la foutre chez vous. Petit village, à l'odeur de fium, je reste un paysan. Je n'ai rien à feindre. Personne ne m'observe. À Paris, je dois affûter d'être cousu d'une autre étoffe. Dans leur soirée vituperant par derrière, ces faunes aux pieds fourchus me qualifient encore de pecno, de provincial, à l'accent impossible qui se pique de faire des vers. Et ils pouffent, ils ricanent. Je fais les frais de leurs traits. Camille se passe sur le visage de l'eau glacée. Elle s'habille derrière le paravent. Je ne suis pas d'accord. Il fallait fuir la province étriquée où nul art ne peut s'épanouir. Monter à Paris. Oh, moi, je me divertis dans les dîners mondains à observer les dindons, comme tu dis, engoncés dans leurs habits lustrés. Je les épie de loin sans jamais m'y mêler. Sais-tu, Paul, que je passe mon temps à les imaginer nus comme la main, bien centrés sur la sellette du modèle, leur bodaine grasse surmontant une petite bistouquette rabougrie. Il en est de plus attrayante, vrai. Je ris d'eux, ben oui. Quand l'un de ces moustachus s'avance, raide, un balai planté dans le trou, là, il me demande. Eh bien, mademoiselle Claudel, peut-on savoir ce qui vous amuse tant? Je redouble de rire. Puis-je lui répondre, c'est d'imaginer votre pactage, mon cher comte, qui me réjouit si fort. Tu devrais essayer dans tes soirées officielles. Elle sort vêtue d'un vieux manteau gris en velours taché de plâtre, un châle jeté sur les épaules, les cheveux épinglés en un chignon branlant. Elle frissonne. Je t'assure, Paul, la nudité, ça désacralise. Oui, oui, on connaît, tu es vulgaire. Vulgaire, le grand mot. Enfin, tu t'es fort rouge comme un enfant de cœur. Tu me rappelles maman, le premier matin à Paris, son chapeau noir perché sur un chignon ramassé, sa démarche sur les trottoirs, jambes serrées, de peur qu'un manant l'engrosse, rien qu'en la frôlant. Oh, pauvre maman. Elle ne voyait ici que perdition, malheur, dépenses inutiles, gâchis d'un argent massé sou à sou pour Louise lui payer un nouveau piano que la vilaine massacre Mozart encore et toujours. La doté, qu'elle devienne la chance légitime d'un oblio de pacotille. C'était bien la peine. Oh, pauvre papa, en a-t-il supporté des crises et des pleurs? Des querelles encore, toujours des querelles.
Il me semble, Camille, que les cris font partie de nous. Je veux dire, du clan. Ils retentissent encore aux oreilles silencieuses de ma mémoire. Ils ont ponctué les jours jusqu'à ce que nous quittions la maison. Nos parents se disputaient l'un avec l'autre, et nous avec eux. Ce que j'appelle la rhapsodie Claudel. À chaque repas, tu te rappelles, gâchant le ragoût, qui était fort bon. Les dépenses, l'argent, le manque d'argent, le besoin d'argent, sujet de conversation inévitable, inépuisable. Lorsqu'il était question de ta vocation. Maman disait caprice. Bon, question de caprice, qu'importe. Les chicanes atteignaient alors l'ampleur des grands opéras. Adagio. Allegretto. Allegro manon troppo. Fortissimo, lorsqu'à l'unisson Louise et toi, en cœur hurliez à la mort. La résonance des cuillères au bord des assiettes. Argument, contre-argument, enchère, surenchère. Vibrato de la basse aiguë de maman, contre une couac! Le concert prenait fin comme si un invisible chef d'orchestre avait fait s'abattre ce silence. Le calme s'installait, aussi pesant que les cris. Ne subsistait selon les jours que le bruit de la soupe aux choux qu'on lapait ou nos mastications du bœuf en sauce. On fixait la miette la plus proche dans l'assiette. Dans l'attente du deuxième mouvement. Inévitablement, le concert reprenait par le fracas de la porte que tu claquais. Et maman se mettait à pleurer. Et naturellement, papa prenait ton parti. Il te rattrapait dans le couloir, t'embrassait. Ma petite sorcière, qui disait. Tu étais la fauteuse de troubles, mais il te pardonnait tout. Tu as toujours été sa préférée. Si je t'avais moins aimée, ma sœur, j'aurais pu en prendre ombrage. Hein? Non, ne me regarde pas de cet œil-là. Ombrage. La jalousie est un vilain défaut, mon petit Paul. Enfin, c'est quand même à papa que je dois d'être sculpteur. Je suis bien de sa chair, comme il disait, avec un lyrisme surprenant chez un homme si sage. Une Claudel. Je connais ma valeur. Il s'inquiétait tant lorsque je travaillais pour Rodin. Je ne me consacrais pas assez à mon œuvre. Il avait raison. Aujourd'hui, je suis la meilleure statuaire de Paris. Dommage que je sois la seule à le dire. On me ravale au rang d'élève de qui tu sais. Je ne suis élève de personne. Tu m'entends? On chuchote que mes statues portent l'empreinte de son école. Je l'ai encore entendu, pas plus tard qu'hier, devant mon percé, que le maître y avait mis la patte, et pourquoi pas le menton, héron. Enfin, c'est tout le contraire, crois-moi. J'avais promis de ne jamais vendre la mèche. Mais pourquoi le ménager? Il me ménage, lui et sa clique de canailles. Les bourgeois de Calais sont de moi, mon petit Paul. Les six, le groupe entier, pas un drôle d'un poids. Ce méchant homme, son nom me brûle les lèvres. Qu'on l'oublie. S'il te plaît, va frapper chez la concierge. Demande-lui 4 bûches que tu lui paieras. Aussi règle le loyer si tu peux, ça m'aiderait. Je suis fatiguée de ramper sous ces carreaux. Mais que veux-tu? La bignonne me hait. Elle déteste les pauvres.
et bientôt les étrennes. N'oubliez pas le facteur, le vidangeur, le balayeur. Ah, tous vont venir m'embrasser au jour de l'an. Mais je n'ai pas un sou. Alors donnez, à vrai dire, je n'ai pas de sou du tout. Des éloges, des articles par-ci, par-là, oh, ça ne coûte que la salive et l'encre. Mais des commandes, oh, pas l'ombre du nombre. Et ce que j'ai vendu, on ne me le paie pas. Tiens, l'État me doit un bloc de marbre jamais livré. Et 5000 francs. Mais il y a là-dessous une cabale des faux frères du ministère. Enfin, tout ce fiffé coquin. Un complot afin de tout me prendre. Oh, bande de voleurs. Adonis. Ne me rejette pas ce regard de coquelet offensé. Ce n'est pas mon amant. C'est mon huissier attitré, plus assidu qu'un soupirant, fidèle comme un labrador. Il me visite plusieurs fois l'an. Le mois dernier, Adonis Pruneau, Pruneau c'est son nom, le pauvre homme, m'a laissé sur la paille. Il a saisi par la même occasion la livraison pour la galerie, le bronze de ma joueuse de flûte. Blom avait avancé 50 francs. Que sont-ils devenus ces 50 francs et les 400 francs de papa en octobre? Oh, mais ça, j'ai des comptes à te rendre. Es-tu inspecteur des impôts? Mon banquier, peut-être? Enfin, crois-tu que cet argent, je l'ai dépensé aux frivolités? Vois-tu pendre au cintre des toilettes des fourrures, des rubans? Vois-tu à mon cou des camées, à mes poignets des bracelets, à mes doigts des diamants? Rien! Même la robe que je portais hier, j'ai dû l'emprunter. Ah, ne cherche pas la bagarre, mon petit Paul. Va plutôt quérir du bois, je suis trop épuisée pour y aller moi-même. Et n'oublie pas le terme! Paul sort. Camille reste seule. Camille va se regarder dans un miroir en pied. Elle valse avec la robe. Ah, s'il était encore temps de changer de métier. Oui, je pourrais, comme les autres, m'acheter de belles toilettes, de beaux chapeaux qui fassent ressortir mes qualités naturelles. Mais non. Au lieu de ça, je cède à ma passion pour les édifices douteux, les groupes plus ou moins rébarbatifs, inventables. Ah, cet art malheureux est plutôt fait pour les grandes barbes et les vilaines poires que pour une femme relativement bien partagée par la nature. Elle n'en déplaise à maman. Elle n'a jamais vu en moi qu'une cendrillon dépenaillée. Elle m'a toujours détestée. Pourquoi? La question vaut d'être posée. Mais ne suis-je pas pareille à Louise, le fruit de ses amours? En quoi suis-je responsable de la mort de son premier-né? En quoi suis-je l'usurpatrice? Qu'aurait-il fait de mieux que nous, ce Charles-Henri? Paul est poète. Je suis sculpteur. Il serait devenu quoi, cet ange immaculé, paré de toutes les grâces? Banquier, rond cuir. Tu aurais préféré ça, ma mère, plutôt que d'essuyer la honte d'une fille qui attaque le marbre au ciseau, façonne des corps dans la volupté de l'étreinte. Ah, ces sexes bien visibles heurtent ta pudeur. Bah, tu n'es pas la seule. L'inspecteur des beaux-arts chevrotait devant mes danseurs. Leur approchement exagère la nudité de tous les détails humains. Il a fallu que je les rhabille.
beau qu'un sexe dressé face à un ventre attendant le festin. Les beaux vers de Paul non plus, tu ne les comprends pas, ma pauvre mère. Bah, les as-tu même jamais écoutés? Hélas, la malédiction de l'art s'est abattue sur ta maison. Affublée d'un prénom sans sexe défini, Camille me condamnait à l'incertitude. Mes figues, mes raisins, boiteuses, deux jambes pas faites pour s'apparier, l'une trop ancrée dans le corps et l'autre passée. Bancale. Eh bien, j'ai tracé mon sillon d'un seul pied, toute boiteuse que je sois, je suis une artiste, n'en déplaise aux ratés misogynes. Même ceux qui me défendent me poignardent dans le dos, croyant me faire plaisir, en s'étonnant qu'après coup je ne dise pas merci. Ils ont osé écrire que j'avais du génie comme un homme qui en aurait beaucoup. Que j'étais un bravo. Enfin, je n'invente rien, j'ai gardé les articles. Ils disent que mes œuvres sont mâles, viriles, que c'est fort de la part d'une femme. Bravo! Bravo, Miss Claudel, c'est fortiche. Oh, on n'attendait pas ça d'un bras bleu en jupon. Oh, si vos lentillolas sont en bien réussi, on ira dîner chez vous en sortant du salon. Mais l'art n'a pas de sexe, messieurs. Il est, et ça suffit. Je suis une femme qui sculpte comme un homme, mieux qu'un homme. J'ai du génie, et ça, on ne me le pardonne pas. Combien de temps vais-je encore pouvoir tenir? Paul frappe. Camille va ouvrir. Il porte les bûches jusqu'au fourneau. J'ai réglé le loyer jusqu'au thème de mars, te voilà tranquille. Mais ne réclame plus rien. Lipsou, elle t'a donné un reçu, la vipère? Sans quittance, elle beuglera demain. À qui veut l'entendre que je n'ai rien payé? Tu l'as? Oui. Camille, tu as vu l'état de ton manteau, une nippe de clocharde. Tu exagères. Tu joues à l'épouvantail à moineau, arrange-toi. N'as-tu rien de propre à te mettre que ces oripeaux? Il paraît que tes voisins se plaignent. Ah, dame oui, et de quoi? Mais de tout. De ta tenue, du bruit de la pointerole sur le marbre, du tac-tac du ciseau sur la pierre, du gris-gris de l'allume appelée, des cris, des allées et venues au crépuscule, la terre que tu amènes, les gravats que tu emportes. Mais, plus que du reste, de tes fréquentations, tes amis. On leur reproche quoi à mes amis? D'être d'une espèce à faire du temps un immeuble bourgeois. Oh, la concierge a bavé. Monsieur le consul de France est chargé de remettre de l'ordre dans l'existence désordonnée de sa souillonne sœur. Donner à tour de vis, remettre au pas la rebelle. L'indomptable, dirait maman. Je sais d'où ça vient, ces bruits qui courent, du deuxième étage, du protestant, un franc-maçon, un franc, ah bah un vrai, un franc comme un homme de Kirkul, oui. Ah, il porte bien le tablier, médecin sans diplôme, il ferait crever un cheval. Ah, je ne vais pas me laisser faire, mon petit Paul. Michon ne me fera pas expulser. On va pas bien même se retirer juif. Je suis respectable. Dis-le que je suis aussi respectable que lui. Que lui. Allez, dis-le. Dis-le!
Tu es respectable. Plus fort, je n'ai rien entendu. Il faut que tout l'immeuble l'entende. Répète. Camille Claudel est respectable. Oui, tu es respectable. Maintenant, avec ces enfantillages. Encore, plus fort. Que tout le quai, que dis-je, que tout Paris le sache. Camille Claudel est respectable. Bon. Tu vas quand tu veux. Tu sais ce que j'en fais des piétistes comme Michaud? Je m'assois dessus. Mais tais-toi. Un protestant est un chrétien. C'est pas comme s'il était juif. Et puis, es-tu si sûr qu'il soit pas Bayot, le bon docteur Michaud? Tes insinuations sont parfois dépourvues d'assises. Tu piques des colères dévorantes, aussi stupides que ta façon de vivre. Tu découragerais le meilleur d'entre nous de te venir en aide. Vas-y, vas-y. Je vois ta voix au cœur des vierges. On me critique parce que j'ose aller contre le rationnel, l'autorisé. Eh bien oui, Paul, j'enjambe les convenances. Je dépasse les limites de ce que mon sexe permet. J'existe par la force de mes mains calleuses. J'ai plus de talent dans mon petit doigt que tous réunis. Tu le sais, toi, que mon génie dépasse de son côté celui des autres. Tiens, celui de cette Agnès de Fumerie. Quel talent, bah, tu peux me le dire. Des bustes grossiers, glaisouilleux, mal ficelés, à peine si ça tient debout. Qu'elle aille au diable se faire l'enlève, celle-ci. Enfin, tu le sais, toi, Paul, tu l'as dit. Clamer que j'étais supérieure à la fouine, l'exploiteur. Il m'aura fallu du temps, mais j'ai fini par le démasquer. À cause de ça, ils m'en veulent tous, mais la bande dont je vivais. Alors, il faut prendre parti. Tu n'as pas le choix, mon petit Paul. Tu es avec moi ou contre moi. Mais naturellement, je suis avec toi. Mais naturellement, aussi en douter. Tu as lu l'article que j'écris en août. J'ai parlé du mystère abrité par tes œuvres, du souffle qui gonflait le moindre espace de tes statues. J'ai dit que tu avais l'art du monde le plus animé et le plus spirituel. Oui, oui, je le connais par cœur, ton article. Une œuvre de Camille Claudel dans le milieu de l'appartement et par sa seule forme, blabla, 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 du blabla bien troussé. La prose en est admirable, même si ça ne veut rien dire. Enfin, je t'écoute écrire. Ce n'est que du vent qui ne me rapporte pas un franc. D'ailleurs, le ministre des Beaux-Arts n'a pas dû lire ton papier. Ou il n'est pas de tes amis. Enfin, en tout cas, il n'est pas des miens. L'État a décommandé le buste de l'âge mûr. Le savais-tu? Enfin, le bruit en a-t-il couru jusqu'au fin fond de l'Orient?